Rio Pérou, 2000 âmes en plein cœur du Ségala. Pour attirer de nouveaux habitants, la mairie a eu une belle idée. On a constaté que beaucoup de maisons étaient vides, en vente plus ou moins, parce qu'il y a des propriétaires qui ne se décidaient pas à les vendre. Donc on a fait le tour, on a appelé tout le monde et les agents immobiliers. Et voilà, on a organisé cette journée maison à vendre où le rendez-vous sera commun pour tout le monde. Cette vaste demeure en pierre fait partie des biens à vendre. Nous avons à peu près une dizaine de biens à la vente sur le secteur Rio Pérou, plutôt corps de ferme, maisons de village avec donc des terrains qui vont de 300 à 500 mètres carrés. Le budget moyen sera à peu près de 100 000 euros au niveau des clients. Cet ancien hôtel-restaurant est lui aussi à vendre. Pour aider les futurs acheteurs à se projeter, notaires et artisans seront également présents demain. Moi, je suis là à titre d'artisan pour conseiller les gens, pour visiter avec eux éventuellement s'il y a des travaux à faire dans les logements et les conseiller, les rassurer et éventuellement faire des devis après s'ils sont intéressés pour pouvoir faire des travaux. La journée maison à vendre aura lieu de 9 à 18 heures à la salle des fêtes. Par ailleurs, la mairie proposera aux primo-acquérants une aide de 3 000 euros et des subventions pour la rénovation des façades.